Bon. Il y a un mec qui a mis sur Twitter, regarde, agent 09. Il a mis des D'accord. photos de d'un lieu. C'est chelou. T'as deux photos, t'as écrit ouvert et après t'as des bâtiments. Attends, je suis en train de faire un truc avec ma caisse, hein. Je comprends pas pourquoi. C'est Voilà. qui lui qui rentre chez nous là? Je sais pas, frère. Mes canons à vie, le Yellow Jack. Bonjour. C'est un mec qui va braquer. Moi, je sais pas. Bah regarde, c'est les coffres d'une banque, hein, ça. Merde, j'ai cassé ma bagnole. Qui lui? Je sais pas, mais sa bagnole a fumé, il a pas envie d'être là de toute façon. Sauf s'il travaille ici. Bonsoir. Vous venez pourquoi, monsieur? En quoi puis-je vous aider? Bonsoir. Ah, je sais pas, je faisais un petit tour. Ah d'accord, D'accord. pourquoi on attend sur votre voiture, elle a pas l'air d'aller très très bien. Là, je vais appeler Ami pour qu'il te donne kit. D'accord, ok, bah, écoutez, bonne soirée, monsieur. Faites Bah, attention quand désolé même, à vous êtes vous. au niveau de la. Faites Ouais, attention vous au avez niveau pas de le droit de voir la. Vous d'ici, êtes quand hein. même au niveau de la Brinks, hein. Ouais. Il y a des Ah, caméras un peu partout, faites attention. ok, désolé. Pas de Bah, soucis. je peux faire le réparage ici ou je dois déplacer? Non, pour le réparage, y a pas de problème. Pardon? Pour le réparage, y a pas de problème. John, on t'entend pas. Vous m'entendez, monsieur? Désolé, je vous entends pas. Vous m'entendez, monsieur? Je vous disais, vous m'entendez là? Ah, yeah, c'est bon, c'est bon. Ouais. Vous descendez un peu. Ah, yeah, je vous entends plus, mais yeah, je pense que j'ai compris. Ouais, nique ta mère, ça ira plus vite. Ah, c'est bon, je fais que bugger sa mère, nique ta race. C'est chelou. Je sais pas pourquoi, peut-être le micro il a plus de batterie ou j'en sais rien. Ouais, peut-être, ouais. Bon, je vais prendre un peu à boire. J'en prends 3. Voilà, tacos, j'en ai combien? J'en ai 2. Nickel. Allez. Encore quelqu'un, hein, mais ils se croient chez leur mère ou quoi? C'est un événement. Ouais. Ah, je vais Debout, leur dire de c'est dégager, le hein. plus gros événement, le plus grand rendez-vous. Le télécom Pauline de Pau rêve depuis. Qu'est-ce qu'il y a là, mais... Bonjour monsieur. Ah oui. Monsieur. Par contre, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez qu'il y a... vous avez pas le droit? Ah bon? Ils sont masqués, mec. Ouais, ils viennent de Si le on n'a mettre. pas le droit. Bah, c'est un lieu public. Ok. Ah, c'est un lieu privé plutôt. Ah, le privé, je veux dire. Le quoi? De plus en plus en On va dire on se barre parce qu'ils viennent de mettre leur masque, on sait jamais. Les gens ils se croient chez leur mère, tu Non mais c'est ça, faut. Non mais eux ils étaient surtout chauds. Quand j'ai vu qu'ils avaient des masques, je fais attention à ton cul Ouais, quand non mais ils même. viennent de. En fait, ils l'ont mis en fait, devant moi. Ok, ils ont vu qu'on était là, ils vont se dire ils Ouais. vont peut-être aller te faire, on va les braquer. Ouais, bah non. Pas ce soir. Non, moi je m'en fous, j'ai déjà fait mon rôle, je suis à plus de 200, 205, c'est bon. Je le ferai plus tard ou demain. J'ai fait ma part du job moi. Mon camion est encore rempli, moi, leur cerveau. Tu sais, moi je fais un run, après je le remplis un peu. Non, moi aussi c'est souvent ce que Et je fais. après, comme ça, le lendemain, j'en fais pas Ah beaucoup. ouais, t'en as moins à faire. Ouais. Bon. Ah non, ah non, ça va pas avec ma tenue. Enlève-moi ce casque, vite. Je veux un casque noir. Voilà. Sinon, faut en acheter. Mets-moi un casque. Ouais, ça va mieux. On va dire que c'est bon. On va dire que ça peut passer. Toi, par contre, tu te baisses ta gueule. Bon, c'est pas grave. De toute façon, après, je mettrai mon masque. Attends, je vais aller dans une ruelle avant pour regarder Twitter tranquillement.
Alors. Alors, Twitter. Ouais, tu vois, il a posté plusieurs photos, agent 09. Ouais, mais la dernière photo qu'il a postée, c'est une photo de d'une banque. Et ouais, derrière, celle d'avant, là, de 8h57. C'est pas loin de l'aéroport de Trévor. Enfin, l'autre aéroport. On dirait. Merde. 8h57, tu me dis ? Ouais. C'est des fermes. Ah, mais je sais où c'est ça. Je sais où c'est ça. Ouais, bah, ouais, bah faut qu'on aille voir. Hein. C'est pas c'est où ça chez... C'est les O'Neill. Ouais, c'est O'Neill. On va y faire un tour vite fait. On s'en gaffe. Et après t'as un autre panneau, c'est écrit ouvert ou open, je sais pas quoi. Une autre image. Je vais retirer un petit peu de sous pour l'essence parce qu'on va quand même pas mal rouler. Attends, vas-y, je vais appeler les keufs. Pourquoi ? Leur dire qu'il y a des individus suspects vers la Brinks. Ah. En même temps. Ça, ils sont occupés, nous on est tranquilles. S'il y a quelqu'un à l'accueil, bien sûr. S'il y a personne, tant pis. Oui, allez, c'est petit, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. J'ai affaire à quel officier ? 16. Ah, ok, enchanté. Je travaille auprès de la Brinks et en fait, depuis allez, ça fait 10 minutes, il y a une petite voiture verte qui est passée, bon, rien de suspect. Et après, il y a eu un 4x4 vert foncé qui est passé dans notre entrepôt et les deux individus étaient masqués dedans. Ouais, très bien. Vous avez une plaque ou quelque chose ? Rien du tout, c'est un 4x4, comment dire ? Mesa. Le Mesa, vous connaissez ? 4x4 tout terrain. Oui, je connais, oui, avec la roue à l'arrière. Voilà, c'est ça, bah, c'est ce genre de, bah, c'est ce 4x4 là, il est vert kaki, et il y avait deux individus à l'intérieur masqués, voilà. Ouais, ok. Bah, on va passer ? Là, ils sont passés, mais ils sont partis, mais on sait jamais, on a pas trop envie... Ouais. De nous faire avoir, on va dire. Oui, c'est sûr. On va patrouiller dans les alentours et bah voilà quoi. Ouais, pas de problème. Bah, merci à vous, je vais vous prévenir, on sait jamais. Oui, oui, oui. Et même si vous les voyez en plus, au cas où. Ouais, ok, ok. Bah, merci à vous, monsieur. Allez-y. Oui, bonne soirée. Vous aussi. Voilà. Comme ça, on est tranquille, nous, de notre côté, hein. C'est ça. Ils vont envoyer des patrouilles un peu en ville. Nickel. On sait jamais, hein, des fois qu'ils les choperaient. Ça m'en est tranquille. Bon allez, RDV chez les O'Neill. Bah ouais, hein. Moi j'y suis ouais, bientôt, ouais. On va dire, enfin, quand de la marche. Moi je regardais, j'avais l'impression qu'il y avait un mec qui me suivait, du coup je tournais, tu sais, je faisais ouais, la technique bah ouais. des 3 ou 4 tours à gauche, tu sais. Putain, il y a un raffineur qui taffe. Ah. J'aimerais bien braquer. Bah franchement, c'était une arme un peu après. Bah j'ai pas d'arme, tout est dans la voiture, j'ai le taser dans la Duke et le pistolet 100 balles. Ouais. Le pistolet 100 balles dans la sentinelle, dans la moto, j'ai rien. Ah oui. J'ai que des kits de réparation. Pour ça, franchement, trouver juste les points d'armes. Le vendeur, on sait ces trucs, après on a plus qu'à se faire du fric. Si c'est de l'argent sale. Imagine, c'est de l'argent sale, on peut faire un échange d'argent propre contre argent sale et hop. Hein. C'est... Ah bah c'est ça, on est dans le yoga, tu me files tant. Et nous, tu fais ton. Et nous, on se fait un peu plus de thunes, tu vois. Après, c'est pour ça que j'ai aussi hâte d'avoir le point de Yuri. Ouais, bah ouais, ça peut être. Parce que comme ça, on vend des voitures illégales, on se fait de l'argent sale, et derrière, on peut acheter des armes illégales, mais derrière, les mecs, ils nous payent un argent pro. Du coup, on est tranquille. On blanchit de l'argent au calme. Ça serait bien. Ça peut être une bête d'action, mais il faudrait que Yuri se ramène pour ça.
Et Yuri, il a pas l'air de vouloir se ramener. Il était là cet après-midi, mais moi cet après-midi, j'étais occupé. Ouais, bah normal. J'ai nettoyé l'appart, après j'ai dû me barrer faire quelques courses. Derrière, je me suis embrouillé avec l'autre connard. Oh, il m'a saoulé, il m'a mis les nerfs là, putain. Il y a un pote depuis 15 ans qui est capable de te sortir les trucs de salaud comme ça. Ouais, bon, ça va. Après, en vrai, regarde. Même la patronne là du Yellow Jack, on peut se la faire, hein. On peut se la braquer, hein, en vrai. Ouais, mais non, ça. Franchement, elle est pas équipée. Elle est pas équipée, là, rien. Ça se ferait pas, la peau. Ah, il a pitié des filles, mais ça mais y non, est. Non, mais tu vois, elle est gentille. Et alors? Au pire, elle a deux personnes, tu vois. Je suis gentil avec personne, plus, on moi. J'ai rien gagné. Attends, on a été les deux seuls clients, on va récupérer notre thune. C'est ça, hein. Ok, bon, bah, j'y suis. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il veut? T'es où? Bonsoir. Oh, moi, comment allez-vous? Vous m'entendez? Merde. T'es vers où? Il est fou, lui. T'es où? Mec, j'étais à la pompe à essence pour mettre de l'essence dans la moto. Le gars, il vient me voir, il fait oui, vous pourrez pas m'amener en ville et tout. Malheureusement, pas j'ai place. Pas d'argent. Nanana. Je fais bah, écoutez, moi, le problème, c'est que dans la moto, j'ai qu'une place. Il fait ah oui, mince, ah, bah, dommage. J'ai fait mais vous pouvez pas contacter un taxi? Il fait ah, mais au niveau argent, c'est pas. Je fais bah, attends, ta gueule, frère. Cours. Ouais, tant pis, tu cours, hein, tu casses pas les couilles, qu'est-ce qu'on a fait nous au début? C'est clair. On a des voitures. Moi, je suis en moto, j'ai qu'une place. Même si j'en avais deux, j'aurais dit que j'avais qu'une seule place. Je te connais pas, t'as l'air chelou, t'es habillé en noir. Ah ouais? Tu vas me braquer ou un truc comme ça, c'est nique ta mère. Ouais, bon, c'est jamais. Ouais, je me méfie de tout le monde, moi. Bah, il faut, hein, de toute façon. Là, je suis à côté de chez le O'Neill. J'arrive. Je cherche du travail, je suis un homme à tout faire. Bah, viens de la Brinks. Non. Moi, je fouille un peu les alentours, là. Parce qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés. Ils sont pas d'origine dans GTA. Ça y est pas dans GTA à la base. Moi je fais plusieurs tours de ville. J'ai pas trop envie de me faire soulever s'il y a des gens. Pour l'instant j'ai pas vu de véhicule chelou. Putain, j'ai peur de fouiller à l'intérieur. Moi y'a pas de véhicule extérieur, on sait jamais. Ah, s'ils sont un peu éloignés, les mecs, tu les verras pas. Enfin, moi je suis à côté de la maison, vraiment collé. Hein. Je suis devant. Bon, là y'a rien, j'ai regardé, y'a rien. Vas-y, je vais dedans. De toute façon, j'ai pas. Après, on aurait dû au moins prendre les tasers, enfin, au moins le taser, tu vois. Je vais aller c'est direct à la cave, je vais pas passer 10 ans.
Ah putain, je sais jamais où est-ce qu'il y a un câble. C'est là. Non. Après, peut-être que les photos, ça n'a rien à voir. Hein. Non, y'a rien. À la cave. C'est toi, en haut. C'est toi qui est rentré là? Ouais, c'est moi. Ok. Ça, je m'en fous. Mais je peux retrouver l'escalier là, il était où? Hop. Essayez juste d'aller voir en haut peut-être. Ouais, bah je cherche l'escalier. Il est là. Bon bah je te laisse aller voir. Les autres endroits, on sait jamais, des fois qu'il y aura un petit concitoyen caché, tu sais. Ben après, c'est ça, dans tous les cas, c'est un PNJ. Ouais, hein. Bah ouais. C'est ça qui est bien, c'est que si tu veux trouver un PNJ, tu sais qu'il y a un truc. C'est ça, mais là, j'ai rien. Ouais, pareil. Je vois rien du tout, ils ont rien. Après, c'est un peu trop simple, ouais. Je suis Léonide. On sait jamais, hein. Au moins, on est tranquille. Hop. Moi, de toute façon, après, Yuri, je sais ce que je vais faire hein, pour le point. Il m'a demandé 40 000 pour le point, je lui ai donné 20 000. Ouais. Je lui ai dit, on va vérifier le point. On voit si ouais, effectivement bah ouais. Le mec il veut faire un truc. Si effectivement c'est le bon point, y'a pas de soucis, je te paye les 20 000 qui restent. Sinon pour le reste, tu vas te faire foutre. Ouais, je fais. Attends. Je me méfie moi. On sait jamais, hein. Ouais, même si c'est Yuri, tu en sais jamais. Hein. Ensuite, on pourra aller voir, tu sais, le phare, tout ça, etc. Là. Tu sais où il y a le phare? Il y a la maison et tout. Ouais, ouais. Et à droite, il y a même un truc de pêche avec des bateaux abandonnés, là. Après, il y a ces hangars aussi. Labo humain aussi, mais je pense que ça serait trop simple. Non, puis laboratoire humain, ils peuvent pas faire grand chose. Ça doit être sûrement pour une transformation ou un truc comme ça. Le laboratoire humain, ça peut pas être utilisé pour autre chose. Et si on va là-bas, faut prendre des armes, on sait jamais. Je pense qu'il n'y a rien, parce qu'il y a même un point de location de bateau. Je pense pas qu'ils iraient mettre un bonhomme à côté de la location de bateau. Il y a un type. Ah, c'est peut-être pour le bateau. Ah si, il y a un type. Hein. Ouais, mais regarde, allez. Et quand je vais vers lui, il me dit qu'est-ce que vous voulez dégager. Alors, est-ce que. Je sais pas. C'est écrit en rouge, qu'est-ce que vous voulez. Et après en blanc, c'est écrit dégager. Vas-y, envoie-moi la pause, j'arrive. Ouais. Bon, ici, y'a rien, en même temps, ça aurait été beaucoup trop simple. Un véhicule, ça peut être sur une île aussi. Ouais, mais là ça veut dire qu'ils ont poussé le truc à fond quoi. Ouais. C'est nimp hein, ce qu'ils ont fait ça. Après les mecs ils ont peut-être planté, ça serait tellement bien de tomber sur une plantation. T'imagines? Ouais, d'un mec qui a planté, ouais. T'arrives, tu récoltes ce qu'il a mis. Bah, dans une autre ville, hein. Au BCSO, j'étais tombé, bah, c'était pas moi, c'était mes collègues, ils étaient tombés sur une récolte.
Oh, j'ai failli prendre un coma, mon pote. Ouais. Ouais, il me dit. Un Benfica a failli me foncer dedans. Oublié, dégagé. Ouais, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Je vais fouiller les autres maisons. Ouais, ouais, lui, c'en est un, c'est sûr. Après, il sert à quoi? Qu'est-ce que vous voulez dégager? Peut-être vendre ou ça. Ouais, je pense que c'est un vendeur, lui. Parce que tu es bien habillé, proche de l'eau. Je vais aller voir au phare, au cas où. Pas au phare mais à la maison, parce que le phare sert à rien là. Où est-ce qu'il peut y avoir un vendeur d'armes, bordel? Bon, c'est lui qui m'intéresse le plus. Bah pareil. Hein. Après, toi, le point là qu'on a peut-être trouvé, c'est peut-être justement le mec qui rachète les véhicules. Hein. Ouais, peut-être aussi. Tant que t'as pas de véhicule, il dit ouais, décarte-toi, tu vois. Ouais, peut-être. Comment je te mets minable? Ouais, mais... J'ai démarré il y a pas longtemps. Après, il y a l'aéroport à droite là. Il y a des petits bâtiments, on sait jamais.